Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour Spyro the Dragon sur PS1, tout simplement sorti en 1998 et c'est tout simplement mon premier jeu à moi, mon premier jeu rien qu'à moi, et oui mon premier jeu de plateforme à moi. J'avais dit que j'avais fait Sonic 2 mais c'était sur la console de ma soeur, là mon premier jeu rien qu'à moi, c'était ma première console, c'était la PlayStation, et mon premier jeu Spyro the Dragon, et c'est vraiment ma série de jeux de plateforme préférée. Franchement, le 1, le 2, le 3, c'est formidable comme jeu. C'est de la balle, c'est beau, c'est nostalgique. Même aujourd'hui, regardez, c'est, vous allez voir les décors, c'est magnifique. L'ambiance, elle est super drôle, c'est super original. Enfin, de diriger un dragon, je trouve que c'est super. Point barre, les musiques, rien que là d'entendre, c'est super. Donc, je sais pas quoi dire de plus, c'est ma licence préférée de jeu de plateforme, Spyro, ça a trop marqué mon enfance et je suis trop heureux de le faire. Donc voilà, c'est parti, je commence et je blablaterai plus tard. Donc, on va accessing memory card. Et oui, sorti en 90 sur PlayStation 1, vous allez voir, ça a pas du tout vieilli, moi je trouve graphiquement. No new game, et c'est parti. Au pays des dragons. Alors, c'est assez drôle. Dans les cinq mondes depuis une éternité, ou est-ce six nous possédons 12 000 joyaux. Ou est-ce 14 000? Et à propos de ce Gnastic Nord, je sais qu'il a découvert une formule magique pour transformer les pierres précieuses en guerriers. Laisse-moi te répondre. Gnastignoc est une simple créature. Simple? Il est tenu à l'écart dans un autre monde. Et il n'est plus un danger pour le royaume des dragons. Plus de danger? Et en plus, il est laid. Laid? C'en est trop. On dirait que j'ai du travail. Voilà, donc petit jeu. Le scénario est très simple, on s'en fout. Il sera plus développé dans le 2 et le 3, hein, vraiment. Mais bon, là, c'est plus simple, mais c'est quand même agréable. Il y a cette atmosphère du 1 qui est là, qui est importante. Non, nous voici dans le monde des artisans. Et notre petit dragon, tout simplement, accompagné de sa libellule, Sparks, enfin étincelle là dans le 1, mais après il l'appelle Spark, qui désigne notre vie, tout simplement. Donc voilà, quand elle est. Quand on l'a plus. Enfin voilà, quand elle est jaune, on est plein de vie. Quand elle est bleue, il nous reste 2 vies. Quand elle est verte, il reste 1 vie. Et quand il y en a plus, au premier coup qu'on se prend, on est mort. Donc voilà, Spyro peut planer, peut charger. Crache du feu, évidemment. Et donc le but c'est libérer tous les dragons, ramasser tous les joyaux et récupérer aussi des œufs. Mais ça on verra plus tard, libérons notre premier dragon. Tu as sauvé Nestor. Merci de m'avoir délivré Spyro. Délivre 10 dragons dans le monde des artisans puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le monde suivant. Et Gnastignoc, c'est lui que je recherche. Retrouve les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. Ok, donc voilà, chaque fois qu'on va... Le but c'est de libérer, vraiment le but principal c'est de libérer tous les dragons. Alors, on n'est pas obligé de faire le jeu à 100%, donc déjà lui on va le chasser parce qu'il a des joyaux, le coquinou. Donc Ah là là, il est où? Eh, ça commence bien. Voilà. Hop, donc le but... Bon, on n'est pas obligé de ramasser tous les joyaux, mais pour certains passages, pour à certains mondes, il faut tout simplement avoir tant de joyaux, tant de dragons. On n'est pas obligé de finir le jeu à 100% pour avancer. On peut même pas obligé de faire tous les niveaux pour changer de monde. Mais bon, nous, on va faire le jeu à 100%. On va libérer notre deuxième dragon, en attendant. Là, on a sauvé Delbin. Où est Gnastignoc? Je vais le pulvériser. Pas si vite, Spyro. Tu as beaucoup à apprendre. Sais-tu à quoi sert la libellule qui te suit partout? Elle s'appelle Étincelle. Elle t'aide et te protège. Surveille-la et tu comprendras ce que je veux dire. Ça marche. Donc chaque dragon, dans chaque monde, chaque dragon a des formes différentes. Ils ont chacun leur caractère. Enfin, c'est toujours assez drôle les conversations entre Spyro et les dragons. Vous allez voir, c'est toujours assez marrant, franchement. Et donc on sait qu'on voilà, on aura de la parole dans tous les niveaux vu qu'il faut libérer des dragons partout. Alors là regardez, bon on le fera plus tard ce niveau, je le garde pour plus tard, un niveau compliqué. Il y a un petit passage secret, alors si je vois là je tombe dans l'eau. Donc normalement si on fait ça, 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 et ça. Ah non, ça n'a pas marché du tout. Alors je vais recommencer, il y a peut-être un ordre. Non peut-être comme ça. Alors, attendez, je vais bien remettre la caméra. Normalement si on saute sur les trucs, tac.
Tac. Tac. Voilà. Ça libère un passage secret. Qui est un niveau de vol. Mais on verra plus tard ça. Parce que c'est plus compliqué. Et je vais retomber dans l'eau. Donc pour récupérer de la vie, tout simplement. Bon, c'est pas des joyaux qui vont nous faire redonner de la vie. Faut trouver des moutons. Bon, on va forcément trouver. Déjà, hop. On va tuer les ennemis. On va essayer. Je vais essayer. Je garantis pas de réunir tous les joyaux. Mais je vais essayer. Allez. On est en vidéo. Faut se motiver. Donc là, on va explorer le monde des artisans. Donc vous voyez qu'il y a des. Je vais un peu vous expliquer pour ceux qui connaissent pas. Il y a des portails voilà dans chaque niveau, donc voilà, colline de pierre, tout ça, par exemple on va aller là-bas, là il y a un labyrinthe, il y a un autre niveau normalement, voilà, regardez, enfin, trop obscur, enfin, voilà, chaque monde a des portails qui mènent à plusieurs niveaux, donc voilà, d'abord le monde à explorer à chaque fois, récupérer les dragons, enfin libérer les dragons, récupérer les joyaux dans chaque monde, et après on, peut y aller quand on veut, mais on peut aller dans, on peut aller dans n'importe quel niveau, on est assez libre, on a une liberté dans Spyro. Donc là on va, hop, regardez, quand on tue un mouton ou une bestiole, on les voit que c'est assez simple, oui, il y a un petit lac. Hop, voilà, et il mange le papillon, et là elle est redevenue bleue, et voilà, hop, et là, elle vient manger son dernier papillon, et hop, on est redevenu doré. Et ça c'était pas mal, franchement, c'était une barre de vie assez originale, quoi. C'était bien pensé. Donc, pour l'instant, on va explorer plutôt le monde des artisans. Là, on va rester ici, parce qu'on a plein de choses à récupérer. Donc, normalement, option, alors, effet sonore, machin, oui. Terminé, ça, on s'en fout. Voilà, donc voilà, on a 30, enfin, option, inventaire, voilà, inventaire. Donc là, on a juste le monde qu'on a. Alors, on sait qu'on a 4 dragons à libérer et 100 joyaux à choper. Et chaque niveau nous donnera, enfin, chaque niveau a son lot de dragons et de joyaux, voilà. Donc, bon, là, on va essayer quand même de récupérer tous les joyaux de ce monde. Ce qui est pas très compliqué. Donc Spark nous aide que, quand il y a des joyaux à récupérer. Là-bas ils vont être plus durs à choper, j'ai l'impression. Ça fait trop du bien de revenir à ce jeu. Ah voilà, nickel. On va aller là-bas. Donc là-bas normalement. Voilà, il y a le boss. Alors les boss sont très simples, vous allez voir, bon, c'est assez fun. Mais vraiment ce premier Spyro. Bon, mon préféré c'est le 2. Beaucoup de gens disent que c'est le 2. C'est vrai que le mode histoire du. Enfin, l'histoire du 2 est assez géniale et les mondes sont géniaux. Le 3 aussi est pas mal, mais j'ai un petit coup de cœur pour le 2. Mais le 1, voilà, c'est le premier, c'est mon premier jeu à moi. C'est nostalgique et l'ambiance est super quoi. Waouh, recommence. Tu trouveras le chef des artisans en passant par la porte de la gueule du dragon, mais tu n'es pas encore prêt, Spyro. Tu dois d'abord franchir l'un des autres mondes des artisans. Voilà. Donc là, la condition, c'est d'avoir fait pour passer ce monde, enfin ce niveau, enfin, cette tête de dragon, pour la tête de dragon souffle, faut simplement que j'ai fait au moins un niveau. Là, c'est la condition. Donc bon, on va continuer à explorer le reste. J'ai dû oublier des joyaux dans le labyrinthe, je vais aller voir ça. Parce que j'ai pas bien fait. Donc quoi, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. C'est vraiment bah, depuis oh là, quand j'étais gamin, quoi, c'est fou. Ça fait trop du bien de rejouer à ce jeu, c'est inlassable, je l'ai fait plein de fois. Le 2, le 3, voilà, c'était les meilleurs. Bon, je crois que j'ai chopé tous les joyaux ici. Donc on va aller là-bas, il en reste encore. Hop, hop, tac. Donc vous voyez, c'est assez sympa la récolte, hein. C'est assez cool, quoi. Là-bas, qu'est-ce que... Ah, c'est pas là où je pensais aller. Donc lui, c'est ce qui nous, c'est le gars qui nous permet. Enfin, il y en a plusieurs de. On pense à petite montgolfière, hein. On change de monde. J'ai pas oublié de joyaux, non. Donc on va lui parler, voir ce qu'il faut pour changer de monde. Marco l'aéronaute. Si tu montres ta valeur en sauvant 10 dragons, je peux alors utiliser ce ballon pour voler vers un nouveau monde. Ok. Eh ben, c'est cool, mais non, on s'en fout là pour l'instant. De toute façon, même si j'avais assez de dragons, moi je veux vraiment faire tous les niveaux avant de se casser, quoi, simplement. Alors, où est l'autre chemin? Là, non. Ah, voilà, c'est là-bas. Je me disais aussi, j'avais oublié quelque chose. Donc, voilà. Hop. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez connu ce jeu. Ah, un dragon. Thomas. On a sauvé Thomas. Hé, hey, mais c'est Spyro. Rappelle-toi des leçons de vol. Appuie deux fois sur la touche de saut et n'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber du haut des montagnes ou de dégringoler dans des glaciers préhistoriques. Ah, je vois. Carrément les glaciers préhistoriques. Voilà. Voilà, même la voix de Spyro me fait marrer. Ah, ouais, une petite voix toute fluette, mais c'est marrant, en même temps c'est un tout petit dragon, hein, vous vous rendez pas compte. Hein. C'est pas un dragon adulte. Alors vous dites, putain, les dragons qu'on a libérés ils viennent pas nous aider. Bah non, mais c'est un jeu vidéo, on va pas chercher à comprendre. Voilà, espèce de voleur. Tac, là-bas il y a des trucs, normalement. J'essaie de rien oublier. Voir là-bas. Oh, il y a des trucs là-haut, mais ça, on s'en doutait. Voilà.
Alors il y a un truc qui fait du bruit, on va aller voir ce que c'est. On en trouvera souvent, c'est des portails. Enfin pas de téléportation, mais qui nous permettent d'aller plus haut. Voilà, on l'entend là. J'adore ce bruit, ça m'a toujours fait marrer. Hop là, on dirait une petite rapiette, notre Spiro. Donc voilà, un autre niveau. Town Square, donc on va, je vais attendre. Peut-être que je vais juste commencer là pour la vidéo le premier niveau. Oh merde, oh là là. Ah là, comme on dirait dans le milieu, un vieux fail tout pourri là. Vous allez voir, hein, des fois, vous me connaissez, hein, je suis pas toujours très doué, mais bon. C'est pas non plus la mer à boire ce jeu. Niveau, ça c'est pas super dur. Hop là. Est-ce que je peux aller directement là-bas? Non, faut que je reprenne le passage. Pour choper. Je sais pas combien j'ai de joyaux. Ouais, normalement c'est les derniers là que je chope. Tac. Alors. Bon, on va faire. Ah voilà, il y a là. Hop. Donc, voilà, là on a fait le monde divertissant 100%. Et je vous propose que. Bon, alors là, la fée c'est pour sauvegarder. Hein. Donc on le fera plus tard. Hein. Sauvegarder. On pourra entendre le dragon, mais on s'en fout, on l'a déjà entendu. Et bon, on va simplement faire le premier niveau. Ouais, parce que bon, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, mais il y a un petit ordre si on veut. Mais après, on n'est pas obligé. Mais moi, je veux faire ça bien, parce que c'est mon jeu préféré. Hein, c'est mon premier jeu, donc merde. C'est ça, c'est le jeu qui a marqué mon enfance. La série, en tout cas, qui a marqué mon enfance. Donc je les ferai tous, hein. Spyro 1, Spyro 2, Spyro 3. Ça, c'est obligé. Obligé. Ça fait tellement longtemps que j'en parle de vous faire les Spyro. Donc voilà, on est dans Colline de Pierre. C'est un niveau qui ressemble beaucoup au monde des artisans. Après, les autres niveaux, vous allez voir, c'est assez différent. Ça, les décors ont vite changé. C'est le seul niveau qui ressemble au monde de base, celui-là. Mais sinon, après les autres, enfin, quoique là, il y a des gros boucs. Je crois que je peux pas les tuer en chargeant. Donc, voilà, mais bon. Dites-moi, voilà, dites-moi un commentaire si vous avez joué à ce jeu. Sinon, les petits. Ce jeu. Est-ce que je suis passé par là? Non, pas encore, c'est bien ce que je me disais. Donc là, c'est qu'un premier niveau très calme. Tiens! Bam! D'autant que je suis en forme. Alors, les bergers là, ah oui, je m'en méfie de ces bergers là. Parce qu'ils sont vicelards. Ils foutent souvent des bons coups de bâton. Des espèces de. Ah voilà! Il m'a foutu un sale coup, le papy là. Donc voilà, les ennemis sont assez marrants à chaque fois. Hein. Et assez varié, des fois ça, il en faut certaines techniques pour les battre, mais ça va assez vite. On va continuer d'explorer. Putain, il y a plein de papillons ici. Tac. Je regarde si j'ai rien oublié. Ah là, il y a un coffre. Bon, alors, je vais beaucoup charger parce que quand on va le buter, on charge hein, dans Spyro. C'est comme ça. Bon, on se prend aussi beaucoup de murs. Hein. Donc, je vais me prendre énormément de murs. Ça va vous rappeler Dragon Ball Z, l'héritage de Goku 2. Hein. Ça, je me prends énormément de murs. Et ben là, ça va être pareil. Vaut mieux prendre ces murs que des râteaux, ça va dire les gens. Bon, bref, cette petite parenthèse terminée. Et le problème de caméra passé. Ouais, bah, c'est les vieux jeux, ils avaient tous des problèmes de caméra. Hein. Ça, c'est à tous les vieux jeux. Bon, ça a du charme. Ah, voilà un dragon. Le dernier du niveau. Gildas. Spyro, mon ami. Tu veux que je te donne un conseil? Bien sûr. Pour voler plus longtemps, appuie sur la touche croix au sommet d'un saut. Pour descendre en plein saut, appuie sur la touche triangle. Bah, merci, mon gros balourd. Voilà, lui, il y en a qui font l'effort, il y a les papis, il y a les gros ballons, enfin d'ailleurs, c'est assez marrant. Donc là-bas, alors je sais pas comment on peut faire avec la caméra. Voilà, regardez là-bas, on voit qu'il y a un petit voleur qui fait le malin, il va falloir le choper, il a un œuf de dragon. Et normalement, il faut tous récupérer les œufs de dragon. On va voler là. Donc au début, gamin, j'ai jamais capté qu'on pouvait aller là, et je l'ai su un peu plus tard. Et voilà, donc là, c'est là qu'on va récupérer tous les joyaux qui nous restent. Je sais pas si on peut tomber dans le vide, je ne sais pas. Bah éviter de tester, on va pas essayer hein, du tout. Alors il y a les voleurs, moi j'ai toujours du mal à les choper hein, parce qu'en fait vous allez voir. Bon, on attend de le rencontrer pour vous allez mieux comprendre que si je vous explique. Oula oula là, oula là, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc là on est repassé ici, très bien. Voilà, il y a des joyaux là, c'est bien ce que je voulais savoir. Voilà. Oh, y a des soucis de caméra, n'est-ce pas? Et hop, donc voilà. Bah après, bon, évidemment, le niveau est pas infini, il y a une délimitation. Voilà, boum! C'est bien ce que je me disais, on peut pas tomber dans le vide, enfin, pas partout, je pense. On va faire le tour. Alors là, on va voir le voleur au bout d'un. Puis bon, il faut récupérer le reste des joyaux. Alors, je sais pas où ils sont les autres joyaux, il me reste pas mal quand même. Ah là, il y en a beaucoup. Voilà le voleur. Ah là 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 là, c'est bien chiant. Ça me rappelle pas des bons souvenirs. Il court vite. Ah là, c'est bon, on l'a eu.
Bon, ça c'est fait. Mais le reste du joyau, c'est la clé dans le coffre. Faut que je trouve la clé. Elle est où cette clé? J'ai pas encore. On va pas du tout aller. Là, le château, là, j'ai un peu exploré. C'est bizarre. J'aurais loupé un truc. Je refais bien le tour. Je vois pas où j'ai pu. Ah, il y a des joyaux déjà là. Mais y a, moi, je sais qu'il y a la clé. Que j'aurai tous les joyaux une fois que j'aurai retrouvé cette clé. Bon, j'ai bien fait de faire le tour parce que voilà, j'avais loupé des trucs quand même. Ouais. Ça m'a l'air. Je crois que j'avais pas fait le tour ici donc encore. Faut que je regarde bien. Ah bah ça j'essaie de le faire à 100%. Enfin on va voir. C'est faisable dans celui-là. Après les autres c'est plus dur. Oh, je crois que j'allais me toler. Ah, il y a un coffre là-bas. Il y a un coffre. Il y a toujours pas de clé. Donc ouais, j'ai bien fait de faire le tour. Et vraiment c'est salaud hein, comme ils ont mis les coffres. Super loin, en plein milieu, plaf comme ça. C'est pas évident du tout. Ouais. On n'est pas un truc là-bas. Non, bah c'est que j'ai mal dû explorer le machin. Parce que le coffre, il est là, mais j'ai pas ma clé. J'ai bien regardé partout. Où il y a priori. Là, non. Après, franchement. Ah, ouais, on se souvient. Ah, il y a la plage. Alors, il y a plein de petits coins secrets comme ça. Et voilà, il y a la clé. Donc, on va récupérer les joyaux là. C'est bien ce que je me disais. Donc voilà, il y a un joyau là, je l'ai vu, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça vous stressait quand j'ai loupé des joyaux, hein. Je comprends. je regarderai la vidéo, ça ferait pareil. Hop là. Voilà, on a nos petites clés, on va récupérer le dernier joyau, la clé, et puis on va se casser à la casa, à la maison. Et je pense que pour cette première vidéo, ça sera pas mal. Donc allez, tac, c'est pas très loin. Hop. Tac, donc voilà, on aura souvent des petits secrets comme ça. Bon. Et vous allez voir, c'est important de faire le jeu à 100% parce que ça débloque un niveau bonus à la fin du jeu. Donc c'est assez sympa quoi. Bon, ce gamin, je sais plus, je crois que celui-là, j'avais fait à 100%. C'est le 2 et le 3 que j'avais jamais fait à 100%. Et en vidéo, je pense que je le ferai à 100%. Parce qu'en vidéo, on a plus de motivation. C'est vrai de faire ça bien, de se la péter quoi. En gros c'est un peu ça. Non voilà, alors, chaque fois je me suis fait couper par un dragon. Chaque fois que j'en parlais j'allais libérer un dragon. Dans les commentaires, et je me cogne. Dans les commentaires dites moi si vous avez connu ce jeu. Et puis pour les petits jeunes ou ceux qui ont pas eu l'occasion d'y jouer, ce que vous en pensez. Vous avez dû en entendre parler de Spyro. Mais voilà, les trois premiers épisodes c'est bien mieux que les nouveaux qu'il y a maintenant. Oui je fais mon vieux con mais... Et voilà, c'était bien mieux fait quoi. Et bon, alors après vous allez voir, vous me dites voilà, je les ai déjà tués, j'ai eu des joyaux, qu'est-ce qu'ils rapportent? Ils rapportent des espèces de boules argentées là, d'énergie, je sais pas, électrisée, je sais pas, qui rapportent de la vie quand on en a 10 je crois. Donc voilà. Donc après le prochain niveau, j'en sais rien. Je pense qu'on fera le trop obscur, c'est celui-là qui est le plus près. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que pour ce premier épisode ça vous aura plu, hein. Dites-moi, enfin je le max de pouces, pas bleu mais même violet carrément, alors confondez pas avec le rouge non plus, soyez sympa, merde, je sais que c'est un dragon qui crache du feu mais quand même, voilà, vos commentaires, vos impressions, vos souvenirs, si vous en êtes nostalgique, voilà, dites-moi franchement ce que vous en pensez, si vous êtes content que je le fasse en vidéo, et aussi j'ai essayé de mettre une meilleure qualité, j'ai essayé de faire des vidéos en HD, oui c'est une petite révolution, pour ma chaîne, pour ceux qui ont connu les mes vieilles vidéos en 240p, voilà. C'était aussi la bonne époque aussi. Hein. Donc voilà, dites-moi si là, vous trouvez que la qualité est un petit peu meilleure. Enfin, j'essaie de faire de mon mieux. Après, je suis pas un professionnel, je fais ça pour m'amuser. Hein. C'est totalement amateur et assumé. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et si vous êtes content que Spyro arrive sur la chaîne, parce que vous allez en bouffer du Spyro, vous allez bouffer le 1, le 2 et le 3. Donc voilà les gens, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de Spyro The Dragon. Allez, bisous tout le monde.